Salut à tous et à toutes, c'est Zilanord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les mecs on est de retour pour parler d'un jeu mobile qui va arriver très prochainement, en fait un jeu qui est également sur console et PC. Et donc ce jeu a été dévoilé pour sortir sur mobile au Ubisoft Awards ce dimanche et donc il sortira le 6 août. Et ce jeu c'est Brawlhalla. Donc voilà, je voulais faire une vidéo sur le jeu dès qu'il a été annoncé, voilà. Et bizarrement Brawlhalla c'est pas un jeu, je me suis dit qu'il pourrait arriver sur mobile un jour. Normalement il y a plusieurs jeux, je me dis ouais lui il pourrait arriver un jour, ouais lui il pourrait. Mais Brawlhalla bizarrement ça a jamais été un jeu, ça a jamais tilt dans ma tête que ça pourrait arriver, on sait pas. Donc vraiment je suis super content que Brawlhalla arrive parce que c'est un jeu vraiment fun. Et moi je vous dis, dès qu'il sort le 6 août, je vous dis essayez-le si vous avez jamais joué aux jeux parce que vraiment le jeu est super fun. Il est beaucoup plus fun avec des amis, ça c'est sûr, mais il est quand même vraiment super fun. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas Brawlhalla, Brawlhalla c'est en gros un Smash Bros. Voilà, c'est en gros c'est ça, c'est Smash Bros. Fait par Ubisoft, donc vraiment Smash Bros. C'est la meilleure façon que je pourrais décrire le truc. Et donc t'as des héros différents, il y a des armes aussi différentes que tu pourras avoir dans les maps, voilà, quand tu vas jouer. En gros, tes héros ont des stats un peu différentes, aussi des habilités uniques dépendamment des armes que tu prendras pendant que tu joues. Donc en gros le jeu, moi je dirais le jeu est assez complet. Et sinon il y a pas mal de collaborations. Voilà, il y en a eu une avec Adventure Time, il y en a eu une avec Ben 10 et tout. Donc voilà, vraiment le jeu il a pas mal de contenu, pas mal de héros. Et donc simplement tu peux payer pour tous les débloquer, ou il me semble que tu peux jouer et les avoir au fur et à mesure. Il y a un battle pass avec des skins, des cosmétiques et tout. Donc vraiment le jeu est pas pay to win. Je dirais pas que le jeu est pay to win. Et honnêtement le jeu est super fun. Vraiment il est juste fun. Moi je vous le conseille vraiment, mais vraiment je vous le conseille. C'est un jeu qui va être super fun, je pense qu'il va être super fun sur mobile. Et il y a un truc qui est super cool avec ce jeu. Et c'est la customisation. Parce qu'on peut le voir dans le trailer. Dans le trailer, il y a une partie qui nous montre la customisation, à quoi ça va ressembler. Et on peut voir qu'elle est très, 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 très complète. Vraiment, mais très complète, d'après ce qu'on voit. Et ça c'est génial, parce que vraiment, la plupart du temps, les grosses compagnies vont mettre leurs jeux sur mobile. Et on a pu voir ça avec Fortnite au début. C'était pas les contrôles, tu pouvais pas les modifier. Mais là, sur ce jeu, tu vas vraiment pouvoir les customiser. Mais vraiment, ça a l'air assez poussé. Vraiment, mais vraiment, ça a l'air bien pensé pour mobile. Et ça, je suis super content, en fait. Vraiment, je suis super content que Ubisoft a fait en sorte que leur jeu, voilà, soit bien, bien parfait pour les plateformes mobiles. Et honnêtement, le jeu, il n'y a pas une tonne de boutons non plus. Il n'est pas ultra compliqué à comprendre. Et je pense qu'il va bien jouer sur mobile. Donc, honnêtement, je vais faire des vidéos quand le jeu sortira le 6 août. Pour l'instant, il est en bêta. Je vais mettre un lien dans la description pour, si vous voulez, vous inscrire à la bêta. Mais voilà, il y a la bêta sur Android et iOS. Moi personnellement pour l'instant j'ai pas reçu d'invitation à la bêta, mais si j'en reçois une je ferai une vidéo. Sinon je ferai une vidéo quand le jeu sortira le 6 août et on verra, voilà, si vous aimez bien le jeu, est-ce que je ferai d'autres vidéos sur le jeu par la suite. Mais vraiment j'ai quand même vraiment hâte au 6 août. C'est vraiment dans quelques semaines que le jeu sort et pour l'instant il est en bêta sur Android et iOS. Et donc si vous avez une PS4, vous avez une Xbox One, vous avez un PC, une Nintendo Switch, je pense même vous pouvez jouer au jeu directement et tout. Ça sera cross-platform. J'imagine aussi que si vous commencez à jouer par exemple sur PS4, vous pourrez aussi avoir votre compte sur mobile. Donc ça c'est vraiment génial. En tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si vous l'avez aimé, aussi de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez ciao.